Voilà, nous sommes donc le lundi 26 septembre 2011 et comme chaque lundi, donc nous allons visiter notre jardin, l'évolution de celui-ci. Et voilà, donc je nous souhaite une bonne visite. Voilà, donc c'est reparti comme d'habitude. Là, on aurait dû arroser, là, on aurait dû arroser, là, on aurait dû. Enfin, c'est pas grave. Hein, on espère que ça reprendra. Donc le sédum se porte toujours très bien, il est bien rouge. Ah ben c'est donc notre olivier, il va bien. Hein? Ici aussi on aurait dû arroser. Voilà. Donc notre sédum se porte bien. Ce n'est pas encore l'heure, les abeilles ne sont pas dessus. Mais tout à l'heure il y aura plein d'abeilles et plein de papillons dessus. Ben, il y a déjà un papillon. Il y a déjà un papillon dessus. J'espère qu'on le verra, qu'il ne va pas s'envoler trop vite. Un beau papillon, n'est-ce pas? Voilà, il s'en va. Il revient là, voilà, enfin, on ne va pas filmer tout le film pour le papillon. Le persil italien, l'estragon qui commence à être noyé dans les herbes. Les pauvres fraisiers qui sont bouffés par je ne sais pas quelle maladie dans. Mais il y a quand même des petites fraises. Voilà, donc la vigne qui s'étend, il faudra que je redresse. La lavande. Donc ici. La vigne, hein, on voit, ça va vraiment être bien. J'espère que elle va tenir le coup et que ces petites taches sur les feuilles ne vont pas être embêtantes à la longue. Enfin, c'est peut-être aussi parce que c'est aussi bientôt l'automne. Voilà, alors la sauge qui elle se porte magnifiquement bien. Et les fraisiers qui, bon, bah oui, on voit qu'il y a encore beaucoup de fraises en préparation, mais comme il n'y a plus beaucoup de feuilles pour leur apporter l'énergie solaire. Voilà donc, nos capucines qui sont vraiment très 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 développées, qui recouvrent tout, même je crois que c'est un petit peu trop. Il faudrait peut-être un petit peu aller faire les choses dedans, je crois. Alors là donc, la ciboulette et le thym qui commence à être écrabouillé par les capucines. Alors on continue, encore des capucines ici, mais elles sont moins fortes. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça pousse, hein, ce sédum-ci qui est joli, hein, un beau bouquet. Voilà. Alors encore des capucines. Et la petite lavande qui a l'air de dessécher un peu. Hein, peut-être qu'on la change de place à mon avis. Peut-être pas bien là. Alors là, il y a cet arbre-là hein, qui va bien. Je vais un petit peu dessus parce que je n'ai jamais dessus. Mais là derrière, il y en a un autre. Je ne sais plus ce que c'est, Françoise me l'a dit. C'est bon, c'est quelque chose que je devrais déplanter et mettre ailleurs parce que il est envahi par cette plante-ci, qui est belle par ailleurs. Alors ici, chose que je dois faire aussi, c'est redresser les framboisiers. Ça, je vais m'en occuper tout à l'heure aussi. Regardez, il y a plein de framboises. Il y a plein de framboises sur ce framboisier. Hein? Plein de framboises, donc je vais le redresser un petit peu. C'est assez curieux de voir qu'il y ait des framboises maintenant qui viennent alors qu'on n'en a pas eu au printemps. Voilà encore là. Et ici c'est assez extraordinaire. Voilà. Mais ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Alors voilà. Donc on continue. Notre bassin avec notre arbre de pommier qui repousse plus ou moins dedans. Alors là c'est assez fou. Donc là c'est le potager. Donc les salades vont bien, mais on a dû dégager tout le mouron qui était autour parce que c'était énorme. Il y en a encore comme vous le voyez. Et donc les salades se portent bien. Après avoir subi les assauts des limaces, malgré tout, on aura quelques salades encore cette semaine et peut-être encore quelques semaines. Alors voilà donc les autres plantes, tout ça marche bien, hein, objectivement, tout ça marche bien. Voilà donc ici sur la chaise une courgette qu'on a ramassée hier. Hein. Voilà, c'est magnifique. Il y en a encore d'autres là qui sont là, on voit même qu'il y a encore des fleurs. Donc c'est beau, notre jardin continue à bien se porter. On voit ici donc sur le tas de compost que la végétation s'installe dessus. Donc c'est bien parce que quand sera l'hiver, quand tout ça sera coupé, gelé, tout ça va se fondre l'un dans l'autre et c'est encore mieux. Alors ici donc le paquet de compost sur lequel j'ai mis un petit peu du mouron qu'on a coupé hier. Alors on continue le petit voyage dans le jardin comme d'habitude. Hein, on regarde, on va dans le pré là, hein, parce que il faut quand même faire dans la prairie, il ne
faut quand même se dire que c'est du maïs et qu'on a commencé à le couper et que bientôt ici la machine va passer, qu'on va revoir beaucoup mieux l'horizon. Dans un sens, tant mieux. Là, je vois qu'il y a plein de pommes chez les voisins. Ah, ce serait bien si ils avaient la bonne idée de nous dire qu'on peut aller en couper. Ce serait bien. Mais enfin, bon, on ne sait jamais. Alors, voilà. Donc, les poros vont bien. Hein. Ils vont vraiment bien. Donc, on est content quand même du résultat. La consoute, là. Alors, ici, Françoise m'a dit qu'il y avait des framboisiers qui donnaient des framboises. Mais je ne vois pas où elles sont. C'est curieux, est-ce qu'elle a vu des framboises sous ses framboisiers? Je ne sais pas. Enfin, bon, il y en a peut-être. Et je n'ai pas vu, hein. Je vois pas tout. Bah oui, voilà, voilà, voilà. Voilà. Oh, des belles framboises. Ça, c'est des belles, hein. Regardez. Ah oui, il faut vraiment les redresser, là, pour ne pas qu'elles soient pourries. Ouais, ça, je vais faire ça bientôt, quand j'aurai fini le film. Ah, ma santé s'améliore, mais c'est pas encore ça. Et elle n'a pas laissé même une petite lavande? Elle a pris toutes les lavandes à l'école? Oh, bon, enfin, c'est pas grave. Alors, voilà, donc ici, là, c'est un petit peu abîmé. Hein. Alors, on redescend un peu. On redescend un peu, voir ici. Voilà, là, ça pousse. Hein. Ça pousse, mais c'est... La terre est fort sèche. Hein. La terre est fort sèche ici. Hein. Ouais. C'est dommage. Alors ici, le possible qu'il y a des framboises. Ici, s'il y a des framboises d'un côté, il doit y en avoir de l'autre. Tiens, je ne les vois pas. Je ne les vois pas ici. C'est pas où. Enfin bon, c'est pas grave. Ben voilà donc. Où est le chat? Le chat! C'est bizarre ça, le chat qui n'est pas là. Il était là tantôt. Oh, c'est encore faux bon. Un deuxième lundi sans le chat. Ça ne va pas, hein, ça. Le chat. Où est le chat? Oh, c'est vraiment chiant. Oh, on va filmer le chien, alors. Hein. On va filmer le chien qui est là. Ouais. Tant pis pour le chat, il ne veut pas se montrer. On va filmer le chien, comme il est beau, là. Oh, oui. Oh, oui, il est beau. Hein. Oh, oui, qu'il est beau. Ah, qu'il est beau, le chien. Hein? À défaut de chat, on va filmer toi. Hein? On va filmer toi. Et toi aussi. Ouais, voilà, on va filmer le chien, chien. Voilà. Bah ouais, hein. Hein? Ouais, ouais. Ouais, regardez ça. Oh ouais, hein. Ils sont bien, quand ils font pas de bruit, ils sont vraiment bien. Voilà, et on ne voit pas Zarco, tiens. On n'a pas vu Zarco ce matin. On n'a pas encore vu Zarco. Bon, allez, on va rentrer là maintenant. Eh ben, j'ai pas vu mon chat. C'est vraiment fumier. Allez, stop.